Bon alors on dit quoi? On dit quoi my love? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 6 meilleures herbes pour nos cheveux. Pour toutes les personnes qui viennent de cliquer sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je suis Vanessa, aka votre coach. Je vous accompagne pour prendre soin de vos cheveux, pour découvrir ou redécouvrir la beauté de vos cheveux. Retrouver des cheveux qui soient en bonne santé, qui soient beaux, qui soient longs, qui soient vraiment brillants, juicy, retrouver du volume, lutter contre les pellicules, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour prendre soin de vos cheveux. Je vous accompagne aussi lors de mes coachings, n'hésitez surtout pas à cliquer dans la barre d'infos pour pouvoir bénéficier d'un suivi qui vous accompagnera à atteindre vos objectifs. Alors, c'est pas un secret, vous savez que je suis fan des produits naturels de plus en plus. Plus je grandis, j'ai pas dit plus je vieillis, hein, j'ai dit plus je grandis. Plus je grandis et plus je me tourne vers des solutions naturelles pour mes cheveux. Ça ne m'empêche pas d'utiliser des produits store-bought, comme on dit, donc acheter en magasin des produits déjà tout confectionnés. Mais j'aime énormément les produits naturels. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 6 herbes naturelles qui sont les plus conseillées, en tout cas que moi, je valide, pour favoriser la beauté et la santé de nos cheveux. On commence par la première, c'est le romarin. Vous savez que le romarin, il est réputé pour favoriser la pousse de nos cheveux, stimuler la croissance, freiner la chute. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le romarin, c'est aussi un antiseptique naturel. Et son travail va être de venir calmer, apaiser, soigner en fait les problèmes que vous allez avoir sur votre cuir chevelu, les démangeaisons, etc. De ce fait, en soignant votre cuir chevelu, il va vous aider à favoriser la croissance de nouveaux cheveux en bonne santé, ou en tout cas en meilleure santé. Astuce d'utilisation, vous pouvez faire comme dans beaucoup de vidéos que je vous ai déjà montrées, vous faites tout simplement une infusion. La plupart de ces herbes-là, je vous conseille de les utiliser en infusion, d'accord? Une infusion, c'est quoi? Vous prenez un petit peu d'une herbe, vous prenez un petit peu d'eau chaude, vous mettez comme si vous prépariez un thé, vous laissez infuser. Je préfère, à titre personnel, laisser infuser toute la nuit. Vous pouvez laisser infuser une demi-heure, vous pouvez laisser infuser une heure et ensuite vous en servir sur vos cheveux. Bien évidemment, on n'utilise pas une infusion brûlante sur notre cuir chevelu. C'est pas l'objectif, d'accord? Vous laissez bien refroidir, bien tiédir en tous les cas et vous pouvez l'utiliser en dernière eau de rinçage ou alors dans la préparation de votre masque capillaire. Deuxième herbe que je vais vous conseiller, c'est l'ortie piquante. Une bombe atomique, littéralement. Ce que j'aime avec l'ortie piquante, c'est que c'est un excellent tonique capillaire. Elle est gorgée de vitamines, de minéraux qui vont faire qu'elles vont tonifier votre cuir chevelu. L'un des principaux avantages de l'ortie piquante, c'est qu'elle va réguler la production de sébum de votre cuir chevelu. Donc les personnes qui ont un cuir chevelu qui a tendance à graisser, je vous conseille fortement de vous diriger vers l'ortie piquante parce qu'elle va réguler cette production et vous allez avoir beaucoup moins cette sensation de cheveux gras rapidement. Elle est aussi top pour fortifier la fibre capillaire, lutter contre les pellicules, lutter contre la chute de cheveux, favoriser la croissance capillaire, contribuer au maintien de l'élasticité et de la tonicité de la peau et de ce fait, elle favorise la croissance capillaire. C'est-à-dire qu'elle crée en fait un environnement tellement accueillant que vos cheveux vont se sentir pas en sécurité, mais en tout cas sur un bon sol pour pouvoir pousser. Voilà, c'est ça l'image. Astuce d'utilisation, vous pouvez utiliser l'ortie piquante, l'huile d'ortie piquante, pour faire des massages de votre cuir chevelu avant votre shampoing, d'accord? Pas forcément en bain d'huile à laisser poser toute la nuit, mais juste un massage pour stimuler un petit peu le cuir chevelu, redonner au cuir chevelu la circulation sanguine dont il a besoin avant de faire votre shampoing. Ou alors, comme pour les autres, vous pouvez faire une infusion et l'utiliser en dernière eau de rinçage. Troisième herbe et une des herbes auxquelles on pense le moins, c'est la camomille. Oui madame, oui monsieur, la camomille est une excellente herbe pour stimuler nos cheveux. Tout comme l'ortie piquante, elle va réguler la production de sébum, mais pas que. Elle va nourrir votre cheveu, le rendre beaucoup plus brillant. Elle a aussi la faculté de réparer les cheveux abîmés. Et ce faisant, elle va aider à prévenir la formation de nouvelles fourches. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les fourches, ça ne se répare pas. Une fourche, je parle bien du fourche, ça ne se répare pas, ça se coupe. Néanmoins, en utilisant des infusions à base de camomille régulièrement, vous allez maintenir votre tige capillaire et vous allez éviter la formation de nouvelles fourches, ok? Ça va pas permettre de réparer la fourche, ça va pas fermer le cheveu. Le cheveu, une fois qu'il est séparé, c'est mort, c'est fini, il faut couper. C'est pas la peine d'essayer de trouver... Il y a des ciments, il y a des masques temporaires qui vont camoufler un tout petit peu, mais la fourche est déjà présente en fait. Grâce à ses vertus antiseptiques, elle va nettoyer toutes les saletés, débarrasser votre cuir chevelu de tout ce qui s'est déposé à sa surface. Elle va aussi débarrasser votre cuir chevelu de toutes les cellules
mortes, parce que la peau, bien évidemment, on a des cellules mortes sur notre peau. C'est pour ça qu'on fait des gommages, oui madame, oui monsieur. Donc elle va débarrasser votre peau du cuir chevelu des cellules mortes et elle va déboucher vos follicules. Et elle va déboucher vos follicules pileux. Ce qui fait que elle va permettre la fabrication de nouveaux cheveux beaucoup plus forts. Ce que je vous conseille pour la camomille, c'est littéralement de l'utiliser en dernière eau de rinçage. Vraiment. Vous prenez un sachet de camomille que vous achetez dans le supermarché. Un sachet de camomille. La camomille naturelle, fraîche, séchée, achetée chez au magasin bio, ce serait mieux. Mais si vous n'avez pas la possibilité, achetez des sachets de camomille. Vous laissez infuser et ensuite vous appliquez ça sur vos cheveux en dernière eau de rinçage. Froide, ça permettra de refermer les cuticules de vos cheveux. Ensuite, l'amour de ma vie, l'amour capillaire de ma vie, c'est pas une surprise, l'aloe vera. Voilà, c'est une plante, c'est une herbe, absolument. C'est une plante qu'on peut utiliser. Et l'aloe vera, littéralement, je vous en parle tout le temps. En ce moment, c'est la thématique du mois sur mon compte Instagram. L'aloe vera, j'en parle à toutes les sauces, littéralement, parce que je pense qu'on doit beaucoup plus sensibiliser les gens aux bienfaits de l'aloe vera sur nos cheveux. Je suis en train de me dénuder là. L'aloe vera est connue pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc là ça va être vraiment très très rapide. L'aloe vera va renforcer vos cheveux, apaiser votre cuir chevelu. Si vous avez des brûlures, si vous avez des démangeaisons, ça va calmer l'intégralité. En fait, c'est vraiment un... Pour moi, je trouve que c'est comme un espèce de cataplasme qui se pose sur la peau, sur votre cuir chevelu et qui répare, qui travaille, qui nourrit, qui gorge d'eau. En fait, littéralement, l'aloe vera... Moi, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur capillaire. Le gros avantage, c'est qu'elle favorise, elle maintient l'élasticité de la peau, ce qui favorise aussi la croissance. Parce que si votre peau est élastique, si vos cheveux sont souples, ça favorise en fait une bonne croissance et surtout ça limite la casse de vos cheveux. Le gel d'aloe vera, clairement, tu l'appliques sur ton cuir chevelu, tu tartines sur ton cuir chevelu, tu fais du jus d'aloe vera, tu mets ça dans ton masque, dans ton shampoing, littéralement l'aloe vera à toutes les sauces. Prochaine herbe, le fenugrec. Je vous en parle beaucoup, c'est aussi une de mes favorites, une de mes chouchoutes, véritablement. J'aime énormément le fenugrec, c'est une plante. Le fenugrec est utilisé depuis longtemps pour favoriser la croissance des cheveux. Mais pas que, ça permet aussi de freiner la chute des cheveux. En fait, grâce à sa grande concentration en lécithine... Oh, ça, oh. Oh, grâce à sa grande concentration en lécithine... En fait, grâce à sa grande concentration en lécithine, un émollient naturel qui est connu pour hydrater et renforcer le cheveu, le fenugrec va venir vraiment protéger et s'agripper autour de votre cheveu pour le renforcer. Il agit sur les cheveux en freinant la chute et donc la calvitie pour certaines personnes. Il stimule la pousse de vos cheveux. Il rend les cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus lisses, beaucoup plus brillants. Moi, ce que j'aime faire avec le fenugrec, c'est laisser tremper les graines de fenugrec toute la nuit. Alors, vous pouvez laisser tremper à partir d'une minute, mais moi, j'aime bien laisser tremper toute la nuit. Et le lendemain, en fait, je fais une pâte avec cette eau qui a infusé dans les graines de fenugrec. Vous allez voir, souvent, l'eau va devenir en fait jaunâtre parce que les graines de fenugrec ont cette tendance, cette couleur jaunâtre. Donc moi je prends ça, je mets ça dans un blender et c'est ce que je vais utiliser sur mes cheveux. Maintenant, attention, ça peut vous laisser des résidus, donc n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps pour rincer vos cheveux parce que sinon vous allez avoir des résidus. Donc il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour rincer vos cheveux. Et pour finir, les fleurs d'hibiscus. Littéralement, en fait, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Ça, c'est une de mes réserves de fleurs d'hibiscus, aussi appelées bissap. Et il m'en reste dans des sachets comme ça que ma mère m'envoie. Donc j'ai plein de petits sachets comme ça, plus cette boîte-là. Donc quand la boîte est finie, je remplis, je recharge à chaque fois. Les fleurs d'hibiscus, je vous ai fait une vidéo que je vais vous mettre ici avec un masque à base de poudre d'hibiscus. Je vous inviterai vraiment à aller regarder la vidéo parce que j'ai bien détaillé dedans. Mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo-là. Ce qu'on aime avec les fleurs d'hibiscus, c'est qu'elles sont riches en acides gras essentiels et en antioxydants. Ce qui fait que ça devient un excellent traitement pour les cheveux. On boit le bissap depuis des années. Moi, quand j'étais petite, personne m'a dit que le bissap était bon pour les cheveux. On m'a jamais dit ça. Littéralement, j'ai dû grandir, apprendre, comprendre, tester et expérimenter. Et je me suis rendu compte que la poudre d'hibiscus sur mes cheveux, jackpot, littéralement jackpot, à chaque fois, mes cheveux en sortent beaucoup plus forts. Elle stimule la croissance, elle prévient l'apparition des fourches. L'hibiscus va lutter contre l'apparition des pellicules, c'est-à-dire qu'elle ne va pas enlever les pellicules, non, elle va arriver en prévention. Donc pour toutes les personnes qui me disent qu'elles ont des pellicules, n'hésitez pas à utiliser des masques à base d'hibiscus ou alors à faire des infusions à l'hibiscus
pour pouvoir traiter et prévenir l'apparition de futures pellicules. En fait, ça va conditionner votre cuir chevelu pour retarder, freiner ou même empêcher l'apparition des petites pellicules blanches, grasses, poudreuses, etc. Elle fortifie le cheveu, elle gaine le cheveu et surtout elle stimule la repousse de nouveaux cheveux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est riche en antioxydants. C'est cette vertu-là qui va permettre de favoriser la repousse de nouveaux cheveux. Du fait qu'elle contienne de la vitamine C, c'est ce qui va stimuler la croissance de nouveaux cheveux. Littéralement, quand vous préparez du bissap, faites une portion neutre. Beaucoup moins concentré, bien évidemment, qui ne contient pas de sucre, de vanille, de clou de girofle, tout ce que vous mettez là. Pas ça. La version neutre, vous en gardez une partie pour vos cheveux. Donc vous l'utilisez comme eau de rinçage après votre shampoing. Vous pouvez aussi l'utiliser comme masque sur vos longueurs, c'est-à-dire que vous prenez de la poudre d'hibiscus, que vous mélangez avec de l'eau, donc de l'infusion d'hibiscus, et vous l'appliquez sur vos longueurs. Vous laissez votre masque poser 30-45 minutes et ensuite vous rincez. Vous pouvez aussi vous servir d'huile d'hibiscus sur votre cuir chevelu, comme je vous le disais précédemment, pour assainir le cuir chevelu et stimuler la croissance, ralentir l'apparition des pellicules. En fait, il y a trop d'usages même de possibles. J'aimerais surtout que vous reteniez que ce qui fonctionne pour les unes fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Il y a une pléthore d'herbes qui existent sur la planète Terre. Je vous en ai choisi ici 6. C'était 6 ? Ouais, c'était 6. J'en ai choisi 6, mais il y en a plein d'autres bien évidemment qui sont aussi bénéfiques pour nos cheveux, si ce n'est plus. Je vous ai parlé de celles que moi j'ai testées, que j'ai expérimentées, d'accord ? On est tous différents. La camomille peut fonctionner sur moi et pas sur mon enfant. L'hibiscus peut fonctionner sur elle et pas sur moi. Ainsi de suite, je peux vous conseiller un masque à base de fenugrec qui ne fonctionnera pas sur votre sœur, qui ne fonctionnera pas sur votre mère, mais qui aura les bienfaits sur les cheveux de votre enfant. Donc on est tous et toutes différentes. Gardez bien ça en tête. C'est la fin de cette vidéo, my love. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on s'abonne, on laisse un petit commentaire pour nous dire laquelle de ces 6 est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous en avez déjà utilisé une des 6 et si oui, laquelle? Dites-le-moi dans les commentaires. Pour toutes les personnes qui ont du mal à mettre en place une routine, j'ai conçu le guide « Une routine simple pour une pousse saine ». Le lien est juste là en barre d'infos qui vous accompagnera à trouver la meilleure routine, en tout cas une routine simple pour vous, pour débuter votre aventure capillaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À très vite. Mouah.